showtime! Odd the movie has been a challenge, essentially because of the crystal, the energy on the character with the fur, but also the destruction, all the smoke, the effects, and the water, and I mean, it's just a never-ending story of crazy things to do and to achieve. La météorite fonce droit sur nous! Attention! Au niveau groom déjà, donc coiffure sur les personnages, on avait vu, qui était un défi technique au niveau artistique. Comment retranscrire de la 2D à la 3D un concept art et pour l'avoir en volume en 3D après. Donc, comme elle avait une coiffure un peu asymétrique, il fallait que ça marche dans tous les angles de vue. Et j'ai beaucoup travaillé en fait sur l'une des dernières séquences où Sky prend son envol littéralement pour sauver ses amis et Adventure City. Il y avait beaucoup d'explosions, beaucoup de météorites, beaucoup de nuages et ça c'était quand même assez technique parce qu'il fallait que tout apparaisse à l'image mais qu'on perde jamais des yeux Sky au milieu de tout ça. Et c'était un joli défi technique mais c'était aussi très simple. Quand à un moment donné il y a toute la foule qui voit la météorite arriver sur la tour et qui partent un peu en mode panique, ils ont tous des props, des accessoires quoi. En gros, il fallait trouver un moyen de faire tomber tous ces props sur un grand nombre de personnages quoi. Donc évidemment, ça pouvait pas vraiment être fait à la main. Du coup, on a cherché, on a expérimenté et puis au final, on a réussi à sortir le plan, bah, honnêtement, même mieux que ce qu'on imaginait. Et Cal était hyper content. Du coup, en fait, le résultat était là et ça, c'est le plus gros défi, on va dire, technique qu'on aurait eu à faire et que ça s'est plutôt super bien passé quoi. Donc c'était cool. It's showtime.